Bonjour et bienvenue amis Balance sur la chaîne YouTube aux anges des anges. Je vais procéder à un tirage général et sentimental aussi par la même occasion pour les énergies du mois de janvier 2022. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, bien sûr, balance en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien. Même si vous n'êtes pas balance et que vous venez voir pour votre autre ou pour quelques membres de votre famille ou pour un ami, vous êtes les bienvenus. Alors, je vous souhaite à tous par avance une très bonne année. Du moins, par avance, non, parce que c'est quand vous aurez la vidéo, ce sera peut-être déjà le premier. Moi, je la tourne le 31 décembre. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez et qu'elle soit meilleure que toutes les années que vous avez passées auparavant. Allez, mon ange, s'il te plaît. Attendez, on va mettre la lumière. On y verra mieux. Allez, mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire pour nos amis les balances? Alors, nous avons la carte du voyage qui vient de sauter. Alors, voyage, le fait de regarder les choses d'un peu plus haut aussi, pourquoi pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les balances? Allez. Nous avons la fatalité. Bon, mais il y a quelque chose qui doit se produire et c'est inévitable, vous l'aurez compris, ami balance. Alors, ce n'est pas forcément la fatalité, n'est pas mauvaise. Hein. Alors, ben, pour certains, ben, ce qui doit se produire réellement, ben, c'est peut-être une naissance ou peut-être le fait de commencer un nouveau projet pour certains. Ici, on vous parle de victoire et on vous parle du retour de quelqu'un ou d'une situation. Alors, c'est peut-être ça aussi la fatalité. C'est peut-être que c'est obligé que vous soyez dans la victoire. Alors, victoire par rapport peut-être à un voyage, à un déplacement, le fait d'y regarder de plus haut. Victoire par rapport à une fécondité. Alors, c'est peut-être une grossesse, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Et une victoire aussi par rapport à un retour. En tout cas, la victoire est obligatoire chez vous. Les balances, c'est une très très bonne chose. Allez, et nous avons... Bon, mais vous, nous avons pour certains, eh bien, la séparation. Alors, pour certains, ça sera inévitable que vous ayez cette victoire sur cette séparation, que vous décidiez de nouveau de vous séparer ou que vous décidiez d'un retour ou que l'autre décide d'un retour après une séparation. Vous l'aurez bien compris, on verra au fur et à mesure du tirage. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire par rapport au voyage pour nos amis les balances? Eh ben, de Dieu! Alors, le voyage, vous regardez de plus haut parce que, ou de plus près, parce que justement, eh bien, on a ici le messager des dieux. Vous l'aurez bien compris, vous avez des messages qui vont vous être envoyés de vos anges gardiens et de l'univers, bien sûr. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites jouer la loi d'attraction pour avoir votre cadeau, ce que vous avez demandé à l'univers. Alors, si vous ne l'avez toujours pas fait, faites-le, faites un souhait à l'univers, à vos anges gardiens, sollicitez-le, parce qu'ils sont là pour ça. Et ils vous demandent peut-être, ben, justement, eh ben, de faire jouer leur aide. Mais si vous leur demandez rien, vous n'aurez rien. On est bien d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur le voyage? Peut-être que vous rêvez de faire, de vous offrir ce voyage, ça se peut. Alors, bon, pour certains, vous êtes un peu perdu, hein. Vous êtes un peu dans un labyrinthe, vous cherchez un peu la sortie, mais vous allez réussir à trouver cette sortie, c'est peut-être pour ça. Je le disais, c'est sorti tout à l'heure aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Peut-être les vierges, je ne suis pas sûre. La carte du voyage et la carte du labyrinthe. Regardez de plus haut pour pouvoir sortir justement de ce labyrinthe. Quand on regarde au-dessus du labyrinthe, généralement, on voit la sortie. Ici, on vous parle de victoire, de réussite. On vous dit que vous avancez. Alors. Et parce que vous allez enfin... Mais c'est peut-être vos anges qui vont enfin vous donner la solution à votre problématique. Vous avez peut-être un choix à faire. C'est même plus que certain. Alors, c'est peut-être un choix amoureux, mais pas forcément. Ici, on vous parle aussi de communication et d'échange et de rapidité. Alors, il y a beaucoup de communication. Alors, si c'est vos anges qui doivent vous parler, vous allez en prendre plein les oreilles et plein la tête. De manière imagée, bien sûr. Alors, sur cette fatalité, qu'est-ce qui est cette fatalité? Elle se résume à quoi?
quelque chose qui est obligatoire. Alors, qui est obligatoire? Bon, mais vous avez traversé des nuées. Alors, bon, on l'a bien compris, ici, avec la carte des nuages, il y a eu quelques difficultés, mais le soleil revient. Et c'est peut-être ça la fatalité, c'est que le soleil est obligé de revenir dans votre vie. Et cette fatalité peut être aussi votre destin amoureux pour certains, et pour d'autres, ça sera le fait d'être obligé de faire un choix. Vous allez être mis devant vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé justement de faire un choix. Vous n'avez pas le choix, vous serez obligé de faire un choix. Ça sera inévitable. Ici, nous avons le roi de Pentacle ou le roi de Trèfle. On parle d'une polarité masculine. Soit qui a beaucoup d'argent, soit qui est stable dans sa vie matérielle et financière. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ici. Alors, que va-t-il se passer? Vous avez peut-être des soucis en ce moment, un choix à faire entre deux hommes. Ça se peut si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme. La sexualité ne rentre pas en compte, on parle d'énergie ici. Alors, la fatalité. Alors, la fatalité pour vous va être une chance. On est d'accord, vous avez la carte de la chance à mi-balance. On vous parle d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On vous parle bien sûr aussi de médiumité et de trucs qui restent à savoir. Vous avez encore des petits secrets. Alors, c'est peut-être pas vous qui cachez les choses, mais vous avez des choses à savoir. Ici, nous avons le 6 de carreau. On vous dit d'avoir confiance en vous. On vous dit que vous allez avancer pour réussir. Alors, si la fatalité, c'est la chance et la réussite, moi, j'en veux bien tous les jours de la fatalité. Allez, même si je ne suis pas balance. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les balances? Nous avons ici, bon, mais ça pique un peu quand même, la fatalité. On l'avait compris qu'il y avait quand même des difficultés pour quand même arriver à la victoire. Mais malgré que vous arrivez à la victoire, vous êtes passé quand même par des petits moments qui piquaient. Aïe, comme j'ai l'habitude de dire, ça pique. Ici, nous avons le 11. Les choses sont en train de se rééquilibrer ou vont se rééquilibrer. Vous inquiétez pas, là-haut, la justice divine va faire son œuvre. Et ici, nous avons le valet de trèfle. Le valet de trèfle. On vous parle peut-être d'un nouveau projet professionnel. Et oui, on vous dit surtout de ne pas manquer de confiance en vous et arrêter d'être timide, quel que soit le domaine de votre vie dans lequel cette fatalité arrive. Ne soyez pas timide. Ami Balance, positionnez-vous. Vous avez un choix à faire, il serait grand temps de le faire. Et il va falloir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ouais, petit jeu de mots au passage. Ouais, je sais, je suis pas drôle. Allez, s'il te plaît, sur la fécondité, que peux-tu nous dire pour nos amis les balances? Alors, nous avons ici le jardin. Alors, il y a un nouveau projet peut-être pour certains qui prévoit énormément de monde. Alors, c'est peut-être un nouveau projet qui a rapport aussi avec Internet. C'est possible. Ici, nous avons le vin. Le vin, c'est le jugement divin, vous l'aurez bien compris. On parle de jugement divin, de verdict, de destin. Ici, nous avons le 8 de pique. On vous parle d'une question de lâcher prise par rapport à un sentiment d'impuissance. Alors, pour celles qui attendent un enfant, il se pourrait que vous n'en ayez pas qu'un seul, sur ce coup-là. Et pour d'autres, bien sûr, on vous dit que si vous avez l'impression d'être un peu impuissante ou impuissant en ce moment, lâchez prise. Là-haut, c'est eux qui avaient décidé ça à l'avance. Et vous aussi, sûrement, c'est une question de destin. Vous ne pourrez pas y couper. Alors, sur la fécondité, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour cette fécondité? Pour nos amis les balances. Alors, on t'écoute, mon ange. Et presque. Allez. Alors, nos amis les balances. Bon, alors, pour nos amis les balances, on parle d'amour, hein. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, vous l'aurez compris, ici, si on ne parle pas d'amour. Alors, peut-être que, vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui correspond à... Alors, il y a la carte du jardin, alors ça pourrait être aussi le jardin en lui-même, le mot le jardin, mais c'est le fait d'être beaucoup entouré, d'avoir beaucoup de monde autour de soi. Vous avez peut-être le projet de réunir plusieurs personnes autour de vous, ça se peut aussi. Et on parle aussi d'amour. Alors, d'amour, de beaucoup d'amour, du coup, sur ce coup-là. On parle avec le 24 qui fait 6 de nouveau et on vous reparle de destin amoureux ou simplement de choix à faire. Les balances, vous avez un choix décisif à faire ce mois-ci. Ici, nous avons le valet de
coupe, le valet de cœur, si vous préférez, eh bien, on vous dit de redonner une chance à cette histoire pour certains. Pour d'autres, on vous demande de vous pardonner, de pardonner à l'autre ou de vous faire pardonner suivant le cas. On parle de votre enfant intérieur, mais on parle aussi des enfants en général. Donc, ça peut bien être une grossesse aussi, pour laquelle cet enfant, bien sûr, et vous-même serez énormément entouré d'amour. Voilà. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, par rapport à tout ça? Alors, dis-moi mon ange, toujours sur la fécondité, as-tu autre chose pour nos amis des balances qui regardent cette guidance? Bon, ben, vous n'avez qu'un pas à faire, hein, on nous le dit. Ici, avec la carte du pont, hein, vous n'avez qu'une carte à faire vers le bonheur, visiblement. Ici, alors que ce soit familial ou pas, que ce soit dans les affaires, vous n'avez qu'un pas à faire. Il faut vous lancer pour traverser ce pont. Et on a le 38, le 38 bien sûr qui fait 11, on parle de justice divine, on parle de choses qui se rééquilibrent, ça c'est très bien. Allez, sur la victoire, en plus c'est vos cartes, la justice c'est la balance, c'est comme ça, mais il va falloir faire pencher la balance d'un côté, vous l'avez bien compris, parce que vous aurez un choix à faire. Alors la victoire pour nos amis les balances, c'est quoi cette victoire? Alors, ben, la victoire, alors vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme. Alors, ça peut être le consultant, certes, mais ça peut être aussi votre autre, hein, on est d'accord, ou un homme autour de vous. Alors, en tout cas, il y a victoire. Alors, il y a victoire peut-être pour cet homme ou pour vous par rapport à cet homme. Vous l'avez bien compris, ici, on parle du 28, on parle de faire tourner la roue du destin, on parle de choses qui avancent, de changements, et nous avons en bas ben, le grand amour, la nouvelle amitié, la nouvelle association, alors association créative, création d'entreprise, en tout cas, on parle d'esprit créatif, ici, pour vous les balances. Alors, quoi d'autre sur cette victoire? S'il te plaît, mon ange, pour nos amis les balances. Alors, il y a fidélité, waouh, 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 il y a amis sincères, loyauté, fidélité. Alors, je vais vous dire un truc, cet homme-là, il vaut le coup, visiblement. Alors, si c'est vous en tant qu'homme, vous valez vraiment le coup à ce niveau-là, amis balance. Ici, nous avons ben, le 18, le 18. Mais pourtant, vous avez des doutes ou la personne en face de vous, cet homme peut-être a des doutes. Une remise en question et des peurs, bon, mais ça arrive. Mais des peurs de franchir le pas pour aller jusqu'au grand amour. Parce qu'il y a justement grand amour, grand bonheur en famille. Alors en famille, en amitié, bien sûr, c'est pas que la famille. C'est tout ce qui a trait avec les sentiments, vous l'aurez compris. Allez, quoi d'autre sur cette victoire, s'il te plaît? Et... ben voilà, bon, mais peut-être que vous hésitez entre deux hommes, ou peut-être que vous êtes deux hommes ensemble, ça se peut aussi. Alors, peut-être que vous hésitez justement, eh ben, entre un amour entre l'amour véritable et un nouvel amour. Je ne dis pas que le nouvel amour ne sera pas l'amour véritable, attention, vous adaptez à votre situation au fur et à mesure. Ou peut-être, mais pour certains, on ne parlera pas d'amour, mais de création d'entreprise, et que vous êtes en collaboration, eh ben, avec un ami très fidèle à vous, un ami loyal, quelqu'un avec qui les choses vont très bien se passer. Ou peut-être avec deux hommes, vous êtes en association, ça se peut aussi. Et en tout cas, vous allez avoir la victoire. C'est une chose qui est certaine. Alors, le retour de quoi, de qui? Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire par rapport à ce retour? C'est quoi? Alors... Allez, on t'écoute. Hop, eh bien, en voilà une. Eh bien, le retour des nouveaux projets. Il y a un nouveau départ dans votre vie qui s'annonce, ami balance. Alors que ce soit un nouveau départ sentimental ou pas, pour l'instant, on ne nous le précise pas. Ici, nous avons le 17. Le 17, en tout cas, vous avez de nouveau la protection sur vous, l'espoir, le rayonnement personnel. Et on vous reparle encore de destinée. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer pour vous en 2022. Et ça commence maintenant, ami balance. Et ici, on vous dit, alors, c'est peut-être vous, en tant que polarité féminine, la reine de cœur, cette femme ou cette polarité féminine amoureuse, honnête, qui a le cœur sur la main. Vous l'aurez bien compris, quelqu'un qui est dans des énergie d'amour. Ça peut être votre autre aussi qui s'adoucit par la même occasion. En tout cas, c'est peut-être l'annonce d'un nouveau départ en amour dans votre vie, le retour de l'amour tout simplement pour ceux qui l'avaient perdu ou qui étaient tout seuls depuis longtemps. Allez, quoi faire? Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, s'il te plaît, pour le retour pour nos amis les balances. Hop, c'est compliqué d'attraper toutes ces cartes.
Allez, presque, presque, presque. Allez, bon, mais c'est de là. Bon, mais il faut couper peut-être avec quelque chose. Hein. Alors là, il y a le retour. Il y a peut-être le retour d'un nouveau projet dans votre vie. Il va falloir peut-être couper justement avec votre vie passée, tout simplement, pour du moins votre vie actuelle, pour justement faire revenir quelque chose dans votre vie, quel qu'il soit. On peut parler de changement. Alors, de changement, de roue qui tourne, de chance qui tourne ici par rapport, eh ben, on parle d'un homme qui a du caractère, un enfant intérieur, l'authenticité et les petites flammes d'amour. C'est quelque chose, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur énormément. Ici, nous avons l'hélice. Alors, avec l'hélice, on parle de tendresse, mais pas que. On parle aussi de sexualité. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et nous avons le 30, le féminin sacré, pardon, j'allais dire le masculin. Non, non, pas lui. On parle de maîtrise de pouvoir. On parle de pouvoir, de maîtrise, pardon, excusez-moi. Et on parle peut-être aussi d'une mère de famille. En tout cas, c'est la féminine dans toute sa splendeur, vous l'aurez compris, à ce niveau-là. Et nous avons, ben, vous êtes peut-être face à un homme, mais justement, ben, une polarité masculine qui porte des masques et qui ne dit pas tout, qui reste dans le silence, à le bougre, à le bougre. Et peut-être que justement, ben, cette personne va enfin sortir du silence et revenir vers vous. Ou sinon, c'est par rapport à vos projets, bien sûr, mais là, vous adapterez. En tout cas, il y a un nouveau projet qui revient dans votre vie. Alors, cette séparation, s'il te plaît, mon ange, c'est quoi pour nos amis les balances, cette question de séparation? Alors, bon, il y a un message qui arrive. Alors, certains, vous allez apprendre que quelqu'un d'autre s'est séparé, qu'il y a séparation autour de vous, ça se peut, hein? Et pour d'autres, on vous dit peut-être que vous allez recevoir un message où on va vous dire que bon, c'est fini, et puis voilà, quoi. C'est peut-être vous qui avez envoyé ce message. Évitez les textos. Hein, sérieux, c'est pas sympa pour la personne qui est en face. Quand c'est comme ça. Ici, nous avons le 12. On parle de blocage. Alors, peut-être que c'est la fin des blocages, la séparation avec les blocages. Ici, nous avons vos anges qui vous envoient des signes. Tout l'univers, d'ailleurs, se met en route pour vous envoyer des signes. Allez, s'il te plaît, c'est quoi d'autre? Cette séparation, alors si elle ne vous concerne pas ou qu'elle vous concerne, de toute façon, vous adapterez en fonction de tout ça. Bon, il y a la fin définitive de quelque chose. Il y a séparation, il y a fin définitive. Alors, fin définitive peut-être aussi mais de la communication avec les messages. Hein, ça se peut. Après une séparation, mais la personne vous bloque ou vous bloquez cette personne, ça se peut. Ou en tout cas, il y a fin définitive de quelque chose. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Alors, le 36, bien sûr, c'est le blocage. C'est le 36, c'est l'ermite, pardon. Donc, automatiquement, il y a quelque chose auquel B qui a pas été pris à la légère. Hein. On va dire que ce choix de mettre fin à cette séparation ou à ces messages ou à cette situation, de manière générale, n'a pas été pris à la légère. C'est quelqu'un qui a réfléchi beaucoup, que ce soit vous ou l'autre, bien sûr. Ou sinon, on a mis une fin justement pour réfléchir. Parce que visiblement, il n'y avait pas assez de dons, de partage, de charité. Alors, on vous dit d'être un peu plus juste envers vous-même et envers les autres et d'éviter de faire parler trop votre ego. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, sur la séparation, mon ange, pour nos amis les balances. C'est compliqué tout ça. Alors, de quoi on parle? C'est peut-être au niveau du boulot aussi, hein, qu'il y a une fin de contrat définitive. Hein. Ça se peut, vous vous séparez peut-être d'un associé, ou si vous n'êtes pas à votre compte et que vous travaillez tout simplement, vous avez peut-être démissionné et changé de boulot. Pour certains, vous serez licencié. Je suis désolée de vous le dire, mais bon. Ah oui, il y a médisance, il y a médisance, il y a médisance. Bon, mais il y avait une personne fausse en face de vous, vous l'aurez bien compris sur ce coup-là, eh bien, vous allez vous séparer des gens qui sont faux autour de vous, ou en tout cas une personne qui n'était pas vraiment pour vous, dans quelle que soit la situation, eh bien, on vous dit que c'est fini avec tout ça. Vous allez avoir la victoire avec le 7. Et nous avons B, la reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est bien sûr la polarité féminine indépendante. Voilà. Bon, c'est bien compliqué tout ça, mes amis balance. Allez, on va ranger tout ça. Je vais vous faire un autre tirage. J'espère que ça vous aura parlé quand même. En tout cas, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est tout. C'est comme ça arrive des fois. C'est que le message que. Les messages qu'on devait transmettre ici n'étaient pas pour vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, on continue, s'il te plaît. Alors, est-ce que tu peux nous dire autre chose sur nos amis les balances? Bon, on a nos potes les scorpions qui passent par ici.
vous rendre visite. Bon, vous êtes peut-être séparés depuis le mois de novembre, hein, ça se peut, ou peut-être que vous êtes séparés d'un scorpion, ça se peut aussi. En tout cas, on vous parle ici d'une intuition d'entièreté. On parle de mystère, ne pas être excessif ni dans la destruction, mais bien sûr, suite à une séparation, un chagrin ou un cœur brisé. On est d'accord. Peut-être que vous avez l'intuition que cette séparation doit être actée. Même si c'est pas vous qui l'actez, même si c'est l'autre, vous en avez peut-être l'intuition. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? C'est peut-être par rapport à une situation qui est une séparation qui dure depuis un moment. Parce que regardez ce que nous avons là. Une nouvelle chance, donner une nouvelle chance à cette relation, bien sûr, à cette personne. On parle des enfants, on parle de pardonner ou d'être pardonné. Ça peut être aussi une séparation par rapport à son enfant. Ça se peut, si vos enfants sont grands et qu'ils quittent la maison ou qu'ils ont déjà quitté la maison, hein, on n'a pas tous, on n'est pas tous en âge de faire encore des enfants, certains en ont déjà eu, d'autres n'en auront pas. Bon, vous adaptez, de toute façon, c'est comme ça. D'autres n'en ont pas encore. Ici, on parle de communication. Bon, ben, il va falloir soit vous faire pardonner, soit pardonner d'une manière générale. On commence à pardonner les autres pour se faire du bien à soi. C'est pas parce que vous pardonnez que vous êtes obligé de revenir. On est d'accord. Allez, c'est juste pour pas vivre dans la rancune et vous faire du mal à vous-même, déjà pour commencer. Ah bon, ben, pour certains, ben, y a plus que ça. Y a eu rupture, hein, on vous le dit. Hein. Alors, rupture avec ce scorpion, peut-être, séparation, cassure, fin de relation. J'espère que ça vous est déjà arrivé et pas que ça va vous arriver ce mois-ci, ça serait dommage. Et pourtant, on vous dit, il y a un très grand amour entre vous. Avec le 10 de coupe, on parle de famille et d'épanouissement personnel. Alors, bon, un mois, une saison, un cadeau, un vœu exaucé, un nouveau départ. On parle de sagesse et de spiritualité pour vous, les amis Balance. Alors, on va reprendre tout ça. Bon, alors, vous l'aurez bien compris, hein, pour beaucoup d'entre vous, ici, attendez, je les prends toutes, mais il y a un cadeau qui se profile pour vous avec ce grand bonheur qui arrive. Il y a aussi un vœu qui sera exaucé, peut-être une seconde chance pour vous ou pour la personne qui est en face. Peut-être que vous rêvez de communication, que ces communications vont arriver d'ici un mois, une semaine. On vous dit qu'en fonction de votre vécu et des actions que vous poserez, le temps peut être relatif. On vous parle bien sûr d'un nouveau départ. Pour vous, les balances, alors un nouveau départ ici, une aventure, on parle d'aventure et de spontanéité. Est-ce qu'on les voit? Oui, parce que je fais attention, mon cadrage, il est tout pourri comme d'hab. Désolée. Ici, nous avons le chakra coronal. On parle de spiritualité et de sagesse. Alors, vous le savez peut-être, il fallait acter peut-être cette séparation, cette rupture, même si ce n'est pas vous qui l'avez acté, mais justement pour aller vers le bonheur. Hein. Parce qu'il fallait peut-être mettre une... Il y avait peut-être d'ailleurs une distance géographique entre vous. C'est peut-être ça, cette rupture. Cette séparation, c'est peut-être le fait d'être à distance géographiquement de votre autre. Il y a un manque, on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, la chance tourne. On parle d'élévation et d'opportunité à saisir. Bon, pour vous, c'est beaucoup plus sentimental que le reste, hein, sur ce tirage-là. Les amis, attendez, on va essayer d'avoir autre chose parce que ça ne peut pas parler que de sentimental quand même. On n'a pas encore commencé le sentimental. Bon, et pour certains, si, ben oui, on parle de bien-être et de sexualité. Bon, ben si, c'est sentimental, on va arrêter de se mettre des pots de saucisson devant les yeux. Hein, ce message est bien sentimental. Ah, pour certains, vous avez été obligé d'être à distance géographique de votre autre et d'acter cette séparation parce que justement, ben, il y avait un nouveau choix professionnel, nouvelle orientation professionnelle à prendre. C'est peut-être à cause de ça que justement, tout ça s'est passé. Et pour d'autres, maintenant qu'il y a séparation, vous allez peut-être arriver. Cette séparation a été mise peut-être sur votre chemin pour justement que vous vous positionniez au niveau du travail et que vous retrouviez un équilibre et vos priorités tout simplement. Allez, on va continuer avec le domaine sentimental pour nos amis les balances. Alors, ce coup-ci, on part sur le domaine sentimental. Alors, bien sûr, ceux qui s'arrêtent là, qui ne regardent pas le sentimental parce que ça ne les intéresse pas, mais je vous souhaite encore une bonne année et bye bye, à bientôt. Allez,
On continue, ami balance, à côté sentimental de la chose. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, s'il te plaît? Allez, c'est bon, il commence. On en a trois. Alors, nous avons l'amitié sincère, nous avons la femme rivale, nous avons le déménagement et l'ouverture, les choses qui bougent. Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les balances? Bon, on a un coup de chance qui arrive et on a le succès aussi. Alors, pour certains, hein, vous avez une amie, une rivalité dans vos amitiés, tout simplement. C'est comme ça. Ou peut-être qu'il y a une personne rivale autour de vous en amour qui essaye de tester la fidélité, mais soit la vôtre, soit la fidélité de votre autre. Vous l'aurez bien compris ici. On parle de déménagement. Alors, ça se peut aussi qu'une de vos rivales parte du paysage. Ça serait très bien aussi. Rival, hein, bien sûr, on se moque du sexe. On parle de polarité ici. On parle des choses qui bougent et qui avancent pour vous. On parle de la chance. Vous l'aurez bien compris ici. Alors, il y a un coup de chance, une opportunité à saisir pour vous. Et ben, pour aller jusqu'au succès, tous les espoirs sont permis. Oh, ben, c'est joli, les balances, c'est joli. Malgré un peu la rivale en plein milieu, là. Mais bon, visiblement, elle va pas faire le poids. Il ou elle, hein, bien sûr. Allez, s'il te plaît, sur l'amitié sincère, que peux-tu nous dire pour nos amis les balances? Vous avez vraiment de la chance. C'est impressionnant, les balances. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les balances. Alors, nous avons, bon ben, nous avons le cavalier de bâton ici et je la tiens à l'envers et l'as d'épée. Bon, alors, on vous parle d'une question de parler avec franchise et de dire la vérité parce que la vérité va triompher et des révélations vont être faites par rapport justement peut-être à une amitié ou peut-être par rapport à la fidélité et la loyauté. On est d'accord, hein? Attention, attention, attention. Alors, la rivale. Que peux-tu nous dire sur cette rivale? Mon ange, s'il te plaît, rivaux. On s'en moque. Que ce soit un homme ou une femme, rivale. Ah bon, mais vous avez peut-être peur, et peut-être peur d'avoir une rivale, tout simplement. Vous avez peut-être des peurs injustifiées, des doutes, peut-être de l'anxiété, une petite remise en question. Mais là, on parle de peur. Et oui, et on vous dit avec le 6 d'épée, ici, de faire évoluer votre manière de penser. Ah oui, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne manière de penser. Vous avez peut-être des regrets aussi. Parce que justement, vous avez fait rentrer le loup dans le poulailler. Dis-moi le renard. Ici, nous avons le page de pentacle. Le page de pentacle, bien sûr. C'est le valet de pentacle. Alors, le valet de pentacle, on parle d'un nouveau projet. Alors, pas forcément professionnel, mais c'est peut-être ce rival ou ce rival est peut-être dans votre vie ou dans la vie de votre autre au niveau professionnel. Ça se peut aussi. Et nous avons ici le fait de ne pas manquer de confiance en soi. On vous le dit, arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Ce n'est que des peurs pour certains. Cette rivale, visiblement, est imaginaire. Ou en tout cas, vous ne risquez rien. Même si étant quoi que ce soit, hein, et on vous dit de ne pas être timide. Par la même occasion, allez, déménagement, ouverture, les choses qui bougent pour nos amis des balances, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a une seconde. Hop là, oh, ça fait beaucoup. Ah bah, je prends juste celles qui sont tombées. Hein, ça suffira largement. Je ne peux pas toutes les prendre, désolée. Ici, nous avons ben, un blocage par rapport justement. Il y a des choses, vous pensez que les choses allaient bouger, mais pour l'instant, ben, ça ne bougeait pas. Alors, c'est peut-être un blocage qui dure depuis un moment et que justement, ben, maintenant, les choses vont bouger. Et les choses vont bouger, ben, oui, parce qu'en ce moment, peut-être que les choses sont bloquées parce qu'il y a un manque de communication. La communication est compliquée. Eh ben, peut-être en amour, tout simplement, vous avez la femme amoureuse. Alors, la femme, la polarité féminine, c'est peut-être vous, bien sûr, un peu. Vous représenter, mais justement c'est peut-être le côté féminin de votre autre, de votre masculin justement, mais qui est un peu bloqué sur ce coup-là, qui n'arrive pas à communiquer. On parle d'honnêteté, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Alors visiblement les choses bougent à ce niveau-là, ça va peut-être se débloquer enfin. Alors la chance, s'il te plaît, mon ange, quel est ce coup de bol que vous allez avoir les balances? Allez, on en a deux. Ici, nous avons, ben, nous avons l'ermite. Alors, vous avez bien travaillé sur vous-même. Ami balance, ben, pendant ces mois qui se sont passés, l'année écoulée peut-être même. Ici, on vous parle ben, avec l'ermite d'avoir fait un travail sur soi-même ou peut-être de continuer à faire un travail sur soi-même. Mais je pense qu'il est fait. Et c'est peut-être pas vous qui avez fait ce travail. C'est peut-être l'autre en face, celui qui portait des masques. Alors,
peut-être, je dis bien peut-être, que vous allez avoir enfin la chance que cet homme se dévoile à vous, justement après avoir cet homme, cette polarité masculine, avoir été dans le silence et le retrait pendant longtemps. Vu que c'est un coup de chance, de toute façon, à part que vous préfériez pour vous que ce soit une chance qu'il se taise. Ça m'étonnerait. Allez, sur le succès, s'il te plaît. Quel est le succès de nos amis les balances? Ah là, ben, on en a deux. On va rester là-dessus. Ici, nous avons bah, eh ben, le succès et la victoire. Tant qu'à faire, le chariot. Vous avancez. Hein, on l'aura bien compris. C'était au cas où vous n'aurez pas compris. Et on vous dit ici de prendre de la distance et du recul. Alors, parce que ce succès va arriver, c'est sûr. Mais ne vous gonflez pas le melon, comme on dit. Hein. Les choses vont se passer, mais elles se passeront au fur et à mesure. On est d'accord, le succès arrive après tout ça. Allez, allez, bon, allez, si. On va continuer avec le côté sentimental de nouveau de la chose avec un dernier tirage. Allez, temps d'enlever tout ça pour nos amis les balances. Allez, s'il te plaît, mon ange, nos amis les balances, que peux-tu leur dire pour cette mois de janvier, pardon, ce début d'année, j'allais dire, ben oui, ce début d'année. Alors, nous avons conversation cœur à cœur. Alors, pour certains d'entre vous, il est grand temps de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Honnêtement, si vous ne lui avez pas encore dit que vous l'aimez, vous attendez quoi? Hein, qui neige? Non, allez, vous l'aimez, vous lui dites, et au moins, il sera fixé. Ça se trouve, il n'en sait rien, le pauvre, enfin, ça, la pauvre. Quand je dis « je », c'est votre partenaire, hein, bien sûr. Ici, nous avons ben, des difficultés à ouvrir son cœur. Bon, on avait compris, hein, vous êtes un peu bloqué là-dessus. Allez, balance. Ah là 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 là. Allez, allez, on essaye d'en tirer une autre pour voir un peu plus. Bon. Et pourtant, il y a énormément d'attraction et d'attirance entre vous, hein, vous le savez. Alors, il serait grand temps que vous déliez votre cœur. Mais dites-lui tout simplement que vous l'aimez. Hein, peut-être que lui aussi vous aime et qu'on ne peut pas vous le dire. Lui ou elle, bien sûr. Hein, l'autre. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Ben oui, quand je vous ai dit qu'il vous aimait et que vous l'aimiez, il y a visiblement de l'amour dans les deux sens. Hein. Allez, s'il te plaît, ben oui, regardez, c'est qu'à un pas, vous êtes qu'à un pas de la vie de couple pour certains. Il serait grand temps d'ouvrir votre cœur. Et de... Pardon, excusez-moi, et d'ouvrir votre bouche aussi en lui disant, je sais pas, envoyez-lui un texto si vous n'osez pas lui dire. Du moins lui parler. Et le texto est envoyé, point barre. C'est fait, c'est fait. Pas de retour en arrière. Hein, et puis voilà, et puis au moins, même s'il répond pas, c'est pas grave. Au moins vous serez fixé. Allez, au pire, vous prendrez un nom, hein, c'est pas la mort non plus. Ici, on parle de puissance. Et ben, la puissance de l'amour pour c'est vraiment magnifique. Alors, et pour certains, vous vivez un petit conte de fées. Hein, mais on vous dit, essayez d'ouvrir un peu plus votre cœur. Hein. On est d'accord. Alors, ouvrez-vous à l'autre. Osez parler de vos sentiments. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les balances, qu'as-tu de plus à nous raconter? Allez, on en a trois. On en a... Hop, on en a tout plein. Allez, hop, on ne garde que cela. Hop, du moins cela. Quand je dis on garde que cela, c'est toutes celles qui sont tombées sur la table. Bien sûr, vous l'aurez bien compris ici. Alors, hop, hop, hop. Hop, hop, je les remets dans l'ordre. Allez, bon, mais pour certains, eh bien, oui, vous avez peut-être affaire, vous avez peut-être soit affaire à une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses, ou c'est peut-être votre côté à vous, ça, qui ne va pas au fond des choses. Vous faites un peu votre gnognio ou votre gnognotte à ne pas vouloir dire vos sentiments, alors que on a vu le résultat, ça serait très fort, hein, très fort et très beau. On parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. On vous le répète, hein, ça ne sera pas pour rien. On parle de s'élever à un niveau supérieur. Ben oui, arrêtez un peu avec cette indécision à mi-balance. On parle de guérison, d'équilibre. L'équilibre, c'est pour vous, bien sûr. De calme et de paix. Alors, on vous parle des cancers. On vous parle des lions, des vierges à titre indicatif. On vous parle aussi de l'été, mais on vous parle surtout d'une atmosphère chaleureuse. Ça se réchauffe. Alors non, pourquoi? Non pour le retour d'un ex-partenaire pour certains. Ah, ça sera peut-être pas quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Ou sinon, si vous étiez en train de penser à quelqu'un, eh bien, on vous dit non. C'était peut-être pas cette personne. Et c'est peut-être au contraire un de vos ex qui revient dans votre vie.